L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Banque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canaplus Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Nous voici encore cette semaine pour la suite de votre émission télé-réalité Pépites d'entreprise. Nous sommes avec des jeunes gens, garçons et filles, venus de tout le Burkina pour aller à la réalisation de leur rêve d'entreprise. Ils sont là. Actuellement, vous le savez, ils sont 200 pépites. Pépites ! Eh bien oui, ils sont là, ils le manifestent et avec eux aujourd'hui, nous allons suivre une session de formation bien particulière, bien chaude. Il s'agit d'un atelier sur l'innovation de leur business. C'est important. Quand on est dans un business, il faut se distinguer de la concurrence. Il faut une valeur ajoutée. Et pour cela, nous avons un formateur très fort, très bon, devrais-je ajouter, qui va nous rejoindre maintenant. Il s'agit de Monsieur Soulama Bamiki Sidiki. Sous vos applaudissements nourris. Alors, Monsieur Soulama, bonjour. Bonjour. Ce que je dois dire, c'est que Monsieur Soulama Bamiki Sidiki est actuellement en préparation d'un doctorat. Il est déjà titulaire d'un master de recherche en macroéconomie. Et vous poursuivez, Monsieur Soulama, un doctorat actuellement en spécialisation micro-projet. Et aussi, vous êtes chargé de cours dans plein d'instituts d'université de Burkina Faso. Monsieur Soulama, merci, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, l'honneur est tout partagé aussi. D'accord. Alors, aujourd'hui, avec les pépites, qu'est-ce que vous allez voir durant la session? Dites-le. Okay. Bonjour. Voilà, je vous entends maintenant. C'est les pépites quand même. Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Donc, moi, je vois pépites, je vois vivacité, je vois plein de trucs derrière. Donc, c'est bien quand on dit pépites qu'on sente que vous vivez. Ça peut aller? Oui. OK, good. Donc, c'est dit qu'on est là aujourd'hui, c'est juste un partage qu'on aura ensemble. On a 4 heures. L'idée, c'est d'échanger carrément sur l'innovation. Vous avez tous des projets, ce qui est bien. Vous êtes des porteurs de projets. Mais c'est bien de voir le caractère innovant de vos projets. Et l'objectif pour nous, c'est de vous montrer donc les clés qui vont vous permettre à vous-même de pouvoir voir le caractère innovant ou non, d'essayer d'adapter votre projet afin qu'il soit innovant. C'est un peu donc dans ce contexte-là qu'on va travailler tout au long donc, de cette matinée, hein, parce que ça prend fin à midi. Mais pour l'innovation, ça continue toujours, OK? Parce que comme on dit, ça a un début, ça a une fin. Donc, on va continuer toujours le processus. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous devez sortir ici tout en vous disant que, quelque part, vous avez donc pu voir donc, le caractère innovant de votre projet et que vous avez pu donc mettre les outils nécessaires également pour tendre ça un peu plus vers le sentier de l'innovation si ça ne l'était pas. J'ai envie de dire « waouh, 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 waouh ». Waouh. Alors, c'est un programme très alléchant qui vous attend. Je n'en dis pas plus, je n'ajoute pas un mot. Je vous laisse en bonne compagnie avec M. Soulama, Bamiki, Sidiki. C'est parti. Pépites ! Dans le bise ! OK, merci. Donc, les pépites, on reprend encore. Pépites ! Dans le bise ! OK, good. Voilà, lui-même, il a fait ça. C'est pour vaincre, quoi. Donc, pour commencer, là, je laisse d'abord Lonia Consulting. Parce que je suis donc le directeur général donc d'un cabinet d'études qui travaille beaucoup donc sur l'entrepreneuriat. Je suis promoteur donc de ce cabinet et on travaille essentiellement et exclusivement sur l'innovation et l'entrepreneuriat, mais beaucoup plus dans le sens de l'entrepreneuriat agricole. OK? Et nous avons donc aussi une expérience parce que nous avons travaillé pendant... On a été consultant pour le compte du CIRAD en lien avec tout ce qui est innovation. C'est ce qui nous a outillés, c'est ce qui nous permet aujourd'hui donc d'être devant vous également pour travailler avec vous. OK? Et donc, comme c'est intitulé, donc, formation des pépites donc, sur l'innovation. Mais pour commencer, je vous pose une question. C'est quoi l'innovation d'une manière globale pour vous? Qui peut me dire sa compréhension de l'innovation? Bonjour. Bonjour. Je suis Ouédraogo Oumarou, le promoteur de Home Agrobio. Home Agrobio, oui. Good. Moi, je pense que l'innovation, c'est toutes les techniques
que tu vas mettre dans ton entreprise pour pouvoir et atteindre les gens plus facilement et les satisfaire aussi par ces techniques. OK. Donc, toutes les techniques qu'on va mettre en œuvre pour atteindre les gens, c'est bien ça, non? Et satisfaire également donc aux besoins de ces clients. OK, good. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Wedrago Nadiati. OK. Et pour selon moi, l'innovation se résume en un mot, améliorer ce qui existe déjà. Améliorer ce qui existe déjà. Good. On garde ça, hein? Vous avez entendu, c'est améliorer ce qui existe déjà. C'est bon, hein? OK. Wedrago Zalissa, promotrice de l'entreprise Maria Trans. Maria Trans. Spécialisée dans la transformation des fruits et légumes. Good. En jus naturel, salade de fruits, brochettes de fruits, des confitures. Merci, moi j'adore. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Dès que vous êtes présenté, j'allais laisser à la fin, mais elle a mis le gap. Donc je vous dis en même temps, si vous vous présentez, vous vous vendez. Vous êtes des entrepreneurs, OK? Vous avez vu tout ce qu'elle a dit, moi je sais ce qu'elle fait. Peut-être à la pause, je vais lui dire, hey, je veux des jus. Ça peut aller? On peut faire ça? OK, good. On y va? Voilà. Selon moi, l'innovation, c'est introduire un changement dans un service ou un produit. Voilà, ça veut dire que le produit existe déjà. Vous apportez un changement. Un changement. Voilà, le changement peut être au niveau de l'emballage. OK. Au niveau de la livraison. Good. Au niveau de comment même vous faites le produit. OK. Voilà, good. Donc ça veut dire la technologie. Good. Voilà. C'est bon? Donc, il y a l'aspect technologique, aspect distribution, emballage, tout ça. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bien ça? Et parmi vous, qui pense qu'il a innové? Aïe, tout le monde n'a qu'à lever. Ça fait quoi? Tout le monde n'a qu'à lever. Qui pense qu'il a innové? OK, good. Ceux qui n'ont pas innové là, une personne pour me dire pourquoi vous pensez que vous n'avez pas innové. Zira Ousmane, good. Promoteur de l'entreprise Bayiru Production, nous okay. Produisons des savons médicinaux et des savons de beauté. OK. Voilà, pour moi, je pense que à notre niveau, on n'a pas encore innové grand chose parce que, bon... Et vu ce que nos concurrents font, nous n'avons pas encore allé au-delà de ça. Parce que vu leur emballage, leur manière de distribuer, leur technologie, franchement, bon, je n'ai pas ces capacités d'abord. Donc, je ne peux pas dire que moi, j'ai innové mon produit là, plus que ce qui est déjà. Mais bon, niveau production, nous avons essayé de faire quelque chose parce que nous prenons nos jus naturels comme jus de tamarin, mm-hmm. Jus de pain de chien pour faire du savon. OK. Pour notre hygiène corporelle. Peut-être que l'innovation se trouve là, mais... Déjà, le fait d'être ici, ça vous positionne aussi. Donc, vous pouvez savoir, déjà sur la base de l'existant, est-ce qu'il y a un début d'innovation que vous allez améliorer? OK? Donc, ça s'améliore. Donc, je continue. Point d'ancrage, qu'est-ce que l'innovation? La question qui tombe. Et là, je commence d'abord par ça, par une introduction. C'est beaucoup donc utilisé pour les raisons suivantes. Vous voyez, nous, on est sur le plan donc macroéconomique. Ce qu'on dit souvent... C'est un facteur dominant de la croissance. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on innove, ça permet donc d'avoir de la croissance. Ça permet d'accroître la production. C'est bien ça, non? Je prends un exemple. Elle, par exemple, sur le plan, on va revenir un peu sur le plan micro. Elle, par exemple, si elle dit, si avec ses produits, lorsqu'elle innove, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'elle va se positionner en situation de monopole. Ça veut dire qu'elle sera donc la seule à offrir pendant un certain temps ce type de produit. Et la demande étant forte, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera obligée d'accroître sa... C'est bien ça, non? Donc, si elle accroît sa production, déjà, quelque part, vous voyez qu'elle est dans un processus de croissance pour son entreprise. Mais également, il y a d'autres entreprises qui vont se greffer également, ayant donc des éléments complémentaires ou même concurrentiels en lien avec ce qu'elle offre. Et ça crée donc de la croissance. Ça, c'est au niveau micro. Mais je prends pour des pays maintenant. OK? Vous voyez que s'il y a une innovation dans un pays et que c'est le pays qui a l'innovation, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Le pays va se développer. Voilà, parce que le pays sera donc enclin à vendre beaucoup plus. C'est bien ça? Et les gens achèteront donc beaucoup plus avec ce pays et on aura donc une croissance de ce pays. Ça peut aller? Donc, c'est dans ce sens. Donc, c'est le premier point. Et ensuite, on peut dire également que et c'est un déterminant phare de la compétitivité des entreprises. Si vous voulez être compétitif, OK? Si une entreprise veut être compétitive, elle se doit de toujours innover.
V. Si vous voulez rester sur le marché, être toujours performant, à chaque fois vous devez innover. Cela veut dire quoi? Que l'innovation, c'est un processus qui est permanent. Qui est permanent. On ne reste pas dans sa zone de C'est bien ça, non? Nous, on aime ça, hein? C'est pas ça? Surtout nous, les Burkinabés, là. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait? On innove, c'est bon, on prend. Et après, on dit, bon, en tout cas, moi, j'ai le marché. On dort sur nos lauriers. Et quand les concurrents commencent à venir maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réveille? Souvent, on dit, on va aller au village pour éliminer le gars, là. C'est pas ça, non? Hein? C'est comme ça, non? C'est pour dire qu'il faut toujours innover. Si on innove, on garde toujours donc sa place de leader et non donc de follower sur le marché. Donc, pas de développement sans innovation, pas d'innovation durable sans développement. Ça veut dire que pour nous-mêmes, si on veut se développer, on a besoin d'innover, ok? Et on ne peut pas parler aussi de développement sans innovation. Les deux sont liés. Et vous, ce que je sais que ce que vous voulez, c'est développer votre entreprise. C'est bien ça. Mais au-delà de ça, c'est faire quoi? Impacter le monde même. Vous voyez, non? Pourquoi vous ne rêvez pas grand? Vous avez vu Kayaoto, non? C'est bon, non? C'est un exemple, non? Non, c'est pour dire qu'on peut rêver grand. OK? Et c'est un peu comme ça. Et l'innovation, et on peut aller étape par étape, mais avec une vision de long terme en termes d'impact. OK? Donc, il faut vraiment penser à ça. International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour un déplacement à Bobo,
Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo Aller Simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo secteur 5. Info line 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Donc le concept d'innovation porte à confusion en raison donc de sa nature polysémique. Ça veut dire que ce qui se passe avec l'innovation, on a remarqué qu'il y a beaucoup de définitions. Quand j'ai demandé l'innovation, vous avez vu que chacun a eu à donner sa conception de l'innovation. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un fond, il y a un dénominateur commun. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est le changement. Tout le monde a dit le changement. Mais comment on change et tout ça? On va revenir un peu sur ça. Donc, la définition donc du concept, l'innovation donc vient du mot latin innova d'abord. Donc, pour innover, donc la terminologie c'est innova. Et innova, quant à lui, est composé du verbe nova et de la racine novus qui veut dire changer, nouveau. Donc, vous voyez déjà que dans innovation, on a changement, on a ce qui est nouveau. C'est bien ça? On continue? Et le préfixe in indique donc un mouvement vers l'intérieur. Et dans ce sens, l'innovation donc devient un. C'est un. Quelqu'un a donné la définition derrière là-bas. Vous voyez, c'est tout un processus. Et de ce fait, ça résulte donc de la nouveauté donc, et de la mise en œuvre de cette nouveauté. Donc, tout ce qui est nouveau et la mise en œuvre de cette nouveauté. Donc, ce n'est pas juste faire le nouveau, mais c'est également la mise en œuvre donc, de cette nouveauté. Et en ce moment, on peut parler d'innovation. Jusqu'à là, on est ensemble? Oui. On est ensemble, c'est sûr? Oui. C'est sûr, hein? Oui. Mon ami, déjà, ça peut aller pour ton projet? D'accord, on continue. Maintenant, il y a le processus de l'innovation. On a dit que l'innovation, c'est un procès. C'est bien ça, non? Donc, pour innover, on parle de quoi? Qui peut me dire quelque chose? Si on veut mettre quelque chose de nouveau, on parle de quoi? Oui? Il y a l'idée d'abord. L'idée, good. Ensuite? Oui, mon ami? L'organisation. L'organisation, comment on s'organise? Il y avait un doigt? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Bikinga Pierre, okay. Porteur du projet La fabrication des parpaings et des outils. Ok. Pour moi, bon, l'innovation, c'est aussi la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Ok. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Nichien Modou, le promoteur de la construction métallique bois. Donc, en confection, on fait des ouvertures, des charpentes, des hangars en métallique bois. Voilà. Pour moi, l'innover quelque chose, ça veut dire augmenter la valeur, ajouter de la technique, voilà, plus de création, quoi. OK, on est dans la définition. J'ai demandé les processus. On a commencé par l'idée, l'organisation. OK, si vous avez quelque chose à ajouter en lien avec ça. Oui, derrière. En pourrage, je me présente Isidore Belemkarian, promoteur de l'entreprise B Consulting, agence conseil en image. B Consulting. Yeah. Enchanté. Merci. Alors, nous accompagnons les individus et les entreprises dans la valorisation de leur capital image. OK. Voilà. Pour moi, ce qu'on peut ajouter dans l'innovation, c'est aussi les techniques de commercialisation sur le terrain. Oui, en termes de processus d'abord. Le processus d'innovation. Si on se met que vous déjà, oui, vous voulez innover. Oui. Donc, quel est le chemin à suivre en fait pour y pouvoir innover? OK. Voilà. Travailler aussi, okay, sur
notre approche. Ok, client. L'approche. Oui. Ok, good. Oui, là d'abord. Coach formateur en anglais et promoteur de UB Learning. C'est un centre de formation en langue, en ligne et en présentiel. Ça marche. Oui, pour moi, tout commence par ce qu'on appelle le design thinking. Il faut commencer d'abord à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire autrement quelque chose que l'on fait déjà? Quand on prend une orange, qu'est-ce qu'on peut faire avec une orange qui est différent du jus d'orange? Good. Voilà, ce qu'on fait déjà avec les objets ou bien les services qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Tout commence par l'idéation, le brainstorming. Good. À mon avis, la première étape, c'est le brainstorming, l'idéation, pour faire différemment ce qu'on fait présentement. Merci. C'est déjà bien comme premier point. Le premier point, on l'a tous dit, hein? Si on n'a pas d'idée, est-ce qu'on peut aller quelque part? On ne peut pas aller. Donc, nous, on a nos oreilles. Donc, pour commencer d'abord, il y a l'idée initiale ou la découverte. L'idée initiale ou la découverte, c'est ce que souvent vous avez un déclic. OK? Et le déclic est fonction, il y a beaucoup de sous-jacents de ce déclic. C'est bien ça? Souvent, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre projet? Qu'est-ce qui vous a donné? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette idée de projet? Qui peut me donner les différents facteurs qui ont pu catalyser ça? Le déclic est venu quand j'ai eu l'opportunité d'aller étudier aux États-Unis parce qu'on avait l'opportunité de travailler à distance, en ligne. Et ce déclic a été renforcé quand je suis revenu avec le terrorisme, des élèves qui ne pouvaient plus aller à l'école. Ouais. Et tout le monde a droit à l'éducation, surtout les enfants. Et je me disais pourquoi pas trouver un moyen d'enseigner à distance. Et hors ligne, bien sûr, sans la connexion, parce qu'il y a certaines zones qui n'ont pas accès à la connexion. C'est donc, c'est d'où est venue l'idée. Bien sûr qu'on n'a pas beaucoup touché les élèves, mais il y a ce processus de cours à distance et sans la connexion Internet. Donc, c'est le voyage et c'est le constat de l'insécurité. Ces enfants qui n'ont pas accès à l'éducation à cause de l'insécurité ou bien de Corona. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Minungu Hugues. OK. Alors, je suis le promoteur de l'élevage à parler. L'élevage à parler. C'est bon. Voilà, bon. mon projet consiste à mettre en place des systèmes d'élevage familial qui va permettre aux ménages vraiment d'élever plus comme ils élevaient avant. Voilà. Okay. Qui peut vraiment les amener vraiment à avoir des revenus. Que j'ai à la maison. Parce qu'au Burkina, ici, on a constaté que partout, tout le monde veut élever. Voilà, mais on a des problèmes d'espace. Okay. Voilà, donc, moi, j'ai mis ce truc en place voilà, pour les permettre, avec des cases mobiles, déplaçables et faciles aussi à utiliser. Okay. En moins de 8 minutes, tu peux nourrir 200 à 500 sujets. Continue. 200 à 500 sujets. Okay. Que toi, à la maison, en moins de 8 minutes. En 8 minutes. Oui. OK, good. Merci. Et le besoin, c'est. Et je dis, voilà, l'idée est venue de. Voilà, l'idée est venue que j'ai constaté vraiment qu'à la maison, c'est te lever, laver, gauche-droite. Ok. Bon, tu peux prendre au moins 3 à 4 heures avant de sortir. C'est bien. Voilà, avec ce que j'ai, bon, je vais les permettre en tout cas d'avancer rapidement. D'accord. Voilà, je vous alors. Merci. L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque International.